Bonjour amis de l'émission, ainsi soit-il. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Ce matin, je veux vous parler du temps indiqué pour les actions de Dieu. Le temps indiqué pour les actions de Dieu. Nous allons prendre rapidement Jean chapitre 2 à partir du verset 1er. La Bible dit ceci, « Trois jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 jars de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et il les remplit jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Ils en emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Bien-aimés, je veux dire à tout le monde ce matin qu'il y a un temps indiqué pour les actions de Dieu. Tout ce que Dieu fait dans nos vies ou bien pour nous, il a un calendrier, il a un agenda, un temps fixé, indiqué pour chaque chose qu'il fait. Ici, dans ce passage, la Bible nous dit que Jésus était dans une cérémonie et les gens ont manqué de vin. Et vous savez avec moi qu'avec ce manque de vin, la situation est devenue incontenable. Jésus était là, il regardait. Sa maman lui a dit, « Mon fils, regarde, les gens manquent de vin. » La réponse de Jésus est vraiment, contient beaucoup de leçons pour nous. Jésus lui dit, « Femme, mon heure n'est pas encore venue. » Ça veut dire quoi? Le silence apparent que Jésus a affiché en ce moment n'était pas un désintéressement. Il savait qu'il allait faire quelque chose dans cette situation. Donc, je veux dire aussi à quelqu'un aujourd'hui, parce que parfois, nous sommes là en train de prier et nous pensons peut-être que Dieu ne nous écoute pas. Il t'écoute. Il attend un temps indiqué. Il attend une heure indiquée pour se lever pour toi. Je veux dire aussi à quelqu'un que Dieu entend nos prières. Il entend nos cris. Il entend nos supplications. Et il pense faire quelque chose pour toi. Il voit ta situation. Et au moment opportun, il s'élèvera pour toi. Et lorsque le temps indiqué pour les actions de Dieu arrive, bien-aimé, sans même vos efforts, Dieu s'élèvera et il agira pour vous. Regardez par exemple Abraham et Sarai. La Bible dit, au temps fixé dont Dieu a parlé, il a visité ce foyer. Jésus lui-même est venu sur la terre à un moment indiqué. Il pouvait venir plus tôt. La Bible dit que les prophètes à qui Dieu a révélé le salut que Jésus allait venir nous offrir, quand Dieu leur a révélé cela, ils ont fait des investigations pour voir à quel moment se rapportaient ces événements. Le salut glorieux que Dieu leur a montré par rapport à Jésus-Christ, quand est-ce que cela va se passer? Il a été révélé que ce n'est pas pour leur temps, mais c'est pour notre temps à nous. Alors, bien-aimés, j'aimerais vous dire que Dieu est sensible à votre situation, il voit votre situation et il agira pour vous. Ce que tu vas retenir pour moi ce matin, avant que je ne prie pour toi, est qu'il y a un temps pour les actions de Dieu. Un temps indiqué. Si le temps-là n'arrive, tu peux courir, tu peux frapper, tu peux faire tout. Ce que tu fais, Dieu met ça de côté jusqu'à ce que son temps arrive. La Bible dit,
Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. J'aimerais également que tu retiennes, non seulement qu'il y a un temps indiqué pour les actions de Dieu, j'aimerais que tu retiennes que lorsque le temps arrive, Dieu ne regarde pas à toi. Mais il se lève pour faire ce qu'il a à faire. Ou bien ce que tu as demandé, pensant peut-être que Dieu ne voit pas, il n'entend pas. Ça, le miracle se passe dans la facilité totale. J'aimerais aussi que tu retiennes que nos instances ne vont pas raccourcir le temps de Dieu. Nos instances ne vont pas changer le temps que Dieu a fixé de son propre chef pour faire ce qu'il a à faire. Il faut que tu retiennes ça pour moi. Et enfin, retiens avec moi que quand le temps indiqué de Dieu arrive, tout devient agréable. Ça se passe même sans tenir compte de nos efforts. En ce moment, ce n'est plus nous, mais c'est Dieu qui s'élève et vient sur la scène. C'est lui qui s'élève et prend les choses en main. Et je prie pour quelqu'un, au nom de Jésus de Nazareth, que ton temps arrive dans cette semaine. Que ton temps arrive pour que Dieu te visite. Lorsque ce temps arrive, vous allez voir, les choses deviennent faciles, le miracle s'opère, les portes s'ouvrent. Les témoignages abondent pour sa seule gloire. Cette semaine, que le temps indiqué pour ce que tu as attendu pendant longtemps arrive au nom tout-puissant de Jésus Nazareth. Cette semaine, je prie pour toi, les choses, les portes auxquelles tu as frappé, et pour lesquelles le temps n'était pas arrivé, que ces portes commencent à s'ouvrir pour toi au nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Mon frère, prends courage. Le temps indiqué va arriver pour toi. Tiens ferme, continue à prier, persévère et ne laisse pas tes mains s'affaiblir. Au nom tout-puissant de Jésus de Nazareth, que Dieu te bénisse cette semaine. Amen. Bien-aimés, comme d'habitude, je vous exhorte vraiment à visiter nos pages digitales, Facebook et YouTube. Ça passe. Abonnez-vous aussi et nous vous demandons de suivre également nos cultes directs désormais les dimanches matins à partir de 8h30. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce vous accompagne tout au long de cette semaine. Amen. Ciao.